أزول فلكون تزول فلون 40 سقوسني ذا قعدان غف الموثن دا سليمان 28 قوقور جونفي 1983 قلق ثورة دعنا ثيكة وغال تجميت نظن موزال توغال تجمين إدا سليمان إذا غي جان شو كان إذا غدي جان أطاس أقلق سوى شو تن دا سليمان إوا كنا ذا غتفكن أول تنهيث غف دا سليمان سليمان ذا قروج ونتفكا عاش 64 سقوسن يموت 40 سقوسنية ثورة غاية القرن 30 سقوسن لا معنى ذا القرن يزان يزرع وين يزرع يمغي يذنا برينو برينو ازف لك ازوره ازور في الاوانة برينو صفح ضم قرين مالي ذيك نسميك ذا كنيك شذا ميسا نقماس 40 سقوسن ثو قاعدين غا في الموثن دا سليمان شو كان دا سليمان جساس كان يقرابن وما نسى مازالي في الدوا يدير يذنا بابا سليمان بابا سليمان اللي فيفون القبائل ياك وزرانا امزوني رموثارا Il a créé une discographie qui est phénoménale, impressionnante. Et il y a Gnanard, il s'accouille à Nard, Sizi. Sliman, c'est une célébrité, il restera vivant pour tout le peuple kabyle. Voilà. L'association en 2016 pour lui rendre hommage. Donc c'est le 9e hommage que je lui rends. Je travaille sur ses archives, je fais des recherches. Depuis l'époque de Pathé Marconi en 1950. Sliman, c'est un chanteur ancien. À l'époque, il y avait Cheikh Al-Hasnaoui, Zarouq Al-Lawan et Sliman Azem, c'était les plus grands chanteurs. Donc, Sliman, il a signé le contrat le 6 octobre 1950 chez Pathé Marconi. Et de 1950 à 57, il va sortir les 78 tours. Ensuite, il va sortir les 10-45 tours jusque dans les années 75. Il a une discographie impressionnante. D'ailleurs, vous allez le voir à l'exposition. J'ai sa collection, l'une des plus complètes. Ma collection, elle est personnelle. Elle date de plus de 50 ans d'archives, de disques, de cassettes, de portraits. Les 78 tours, à Charan, à Thaltach, offert à l'Ikh de Marva ou à Chen les 78 tours. Et malheureusement, il a tout un sarah, offert à Kanyewen, offert à l'Emené de l'Emen, qu'il a sorti dans les années 55, à Toualim de la Salle, à Tidskinra Ardakal. Voilà, il a une œuvre impressionnante. Donc, dans l'exposition, Anwaling les 45 tours, Anwaling les cassettes, à partir de 1975-76, ça va être la période des cassettes. Dans la décennie 90-95, ça va être les CD. Mskine, il ne les verra pas parce qu'il est mort en 83. Il n'a jamais vu de CD de sa vie. Donc chaque chose, chaque période, si tu veux, a son avantage. Mskine, il ne verra pas de CD. Les CD sortiront après les années 95. Donc j'ai des collections de CD, de cassettes et de disques. On aura le plaisir à l'exposition de Et dans le thème des Thagui, on organise un concert avec une vingtaine de musiciens, Rohan Sipari. Ils vont interpréter une quinzaine de chansons de Sliman. Et puis là, voilà, donc là. En 1962, il aurait été en 1956, il était à Rognac précisément. Rognac, c'est la banlieue de Marseille. Ça se trouve à côté de l'étang de Berre, dans le 13, les Bouches-du-Rhône, le département. Donc Vavin, il a acheté la ferme de Montaigu de Quercy, Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. Il l'a acheté en 1962 pour accueillir ses frères. Parce qu'il venait de Rohan Sithmourth. Et donc, ça serait bien que tu vendes ta maison de Rognac pour que tu te rapproches de nous. Et donc, on l'a accueilli à la Montaigu de Quercy, on l'a accueilli quelques mois. Et on s'est dit, on a mis à la côte Saint-Laurent. Il y a Jussi Baba Sliman, il y aurait été en 1963. Donc Baba Sliman, il y a Chénat des Moissac, c'est 63 à 83, c'est-à-dire les 20 dernières années de sa vie.
il gâche des mois sacs. En réalité, quand on a fait la savet, il a acheté une sécuation des mourts, il s'est acheté une sécuation des mois sacs. كاين حسبه غير نحن لي زارشيف حملنا غير لي زارشيف بابا سليمان حسبه غير ناس ياش دي ثمور 22 سنه ايكاش اي دونك نسان يموت 64 دونك قلب ثانا لي زاني فهاد لان لي زاني ياش طاش دي فرنسا دي ليميغراسيون بلوتو ناس دي ثمور اي وين اين نهي عاوتاني كل قبائل سكان قبائل دي سيست تتقرز السنين تقبيله الصح لا 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 بويزي لا ميوزيك كي تتقرز نحمل السياك دونك فوالا بابا سليمان سي اون ايكون سي اون ليجوند ولا شق بايلو نحمل على بابا سليمان سي تي كلكان دو امبل دو سانسير ولي حمل على الباطل يحمل هنا ين يقرزن يحمل هنا لا دواتور جامع صفضي ونا هذا سنين خدمه كاين غير كاين les créations ina hamba basliman dans les disques dans la philosophie ina sayna dayni bran ay running ay running dayni bran a des snow fond machi de menwala hada sini khadma kayna a fanch sini hada dar gas gal gazant voilà lekin al mosak est ce que tassen di chnel ni dna kan da da sliman ou di tassen da gar warsa kham est ce que je fais tamzid je fais dara non je fais dara wala ou non je fais dara hatin des parings yakhdma ou li ghatassi ou li en 71 à Paris atsrhou en vacances à Moissac Montaigu mozrara les chnanet tsrhou na hazlna ozmira khine je fais dara fanchtag Mohamed tajma da tasli zarchif nda Sliman da chou li zarchif yitqnat hada kiqit wala ta sigara tigrin la haja ki khossat En fait, les archives, il y a un peu le Canada, qui m'a fait la conférence de Montréal. Malheureusement, les archives, on n'a pas récupéré les archives. Nana Malika, ma tante Lucienne, elle a vendu la ferme en viager. Et le problème, il y a le viager. À Smith Mouth en 96, elle est morte au mois de janvier 96. Le boulanger a acheté la ferme en viager. Azkani mithmouth, azkani bouddha, le boulanger, azkani yako les archives. À la déchetterie, où il y a youfani jma, roras et tout ça. Donc les archives, ni ou de boltar à roren. Les archives, ils servent, les archives personnelles, ils servent. Non. On ne prépare rien, un américain tsaroumis, donc jma, les archives, bachad, les archives. Malheureusement, les archives n'y a qu'une garzon, les disques, l'historique de Paté Marconi et tout ça, ou il n'y a pas de bouddha à Rorin, malheureusement. Mais n'y a pas de Montréal, les archives, ça fait 53 ans, il y a les archives. Il y a les archives à Gijmar, chez Tchet, il y a eu de quoi il y a eu de quoi les archives, peut-être au Chilara de ce sendok, tu comprends ouais. Donc les archives je m'en c'est une goulie oui je m'en les archives c'est les disques que j'allais acheter chez madame Sovia mais de faire le disque à Daoudra dans le 18e à Barbès acheter les disques c'est mes disques donc mes archives j'ai des jolies archives depuis ouais. Depuis 50 ans pour une autre fois c'est mettre les bouts de voilà frère de Sliman il y a tout ce que voilà le verbe frère de Sliman le ou qui caron les coups en akhira d'y a des crimes à dire au couvain et voir c'est un musée mais mais allez c'est le voilà frère de Sliman Non, oui, non, j'ai fait le maximum. J'ai fait le maximum. Les propriétaires qui ont été venus à Hamagin. Donc, quand vous allez, si vous avez l'idée de le vendre, il faut me prévenir. J'ai dans l'idée. Il faut me prévenir. Il faut me prévenir. Un centre culturel, Slimanazm. Ce qui me tenait à cœur, c'était un centre culturel. Parce que pour monter un musée, on s'est renseigné, c'est une usine à gaz et le musée. On va t'imposer les horaires d'ouverture, de fermeture, de gardiennage, où il y a peut-être qu'on n'a pas la logistique pour ça. Par contre, en revanche, faire dans la maison, réserver un espace, une grande pièce, etc., pour faire un espace Simanazim, c'était mon idée première. Et Neras, il faut me prévenir pour qu'on essaie de trouver des cabines pour acheter la maison. Voilà notre préférence. Et malheureusement, bon, le viager,
ça a été pris par les acquéreurs, quoi. C'est pour ça que la maison n'est pas revenue à la famille Azem. C'est ça que les gens ne savent pas. En fait, la maison de Slimane, on ne l'a pas récupérée. La famille Azem ne l'a pas récupérée. Elle l'a mis en viager. Elle l'a donné à un boulanger qui passait deux fois par semaine déposer son pain. Et ils ont, à force de disques, ils ont sympathisé. Et le boulanger l'a persuadé de lui vendre en viager. Chose que ma tante a acceptée. Et là, pour nous, à la famille, c'est dramatique. Parce qu'au niveau des archives, ma tante, elle n'a pas eu le soin de nous les mettre de côté. Mm-hmm. Tu comprends? Mm-hmm. Par contre, ça n'a pas empêché ma vigueur, ma conviction de m'établir des archives, de faire des jolies archives. Tu vas le voir cet après-midi, à travers mon exposition. Et donc, je dis, il ne faut pas passer sa vie à se plaindre. Tu vois? Moi, je reste debout, je reste convaincu qu'on peut faire des choses. Là, c'est le 9e hommage que j'organise. Aujourd'hui c'est le 40e anniversaire, vraiment je suis ravi. Et on va continuer, on ne baisse pas la garde. Voilà. Même on les reconstruit, on va faire de nouvelles archives. La vie de Slimane Snitz, les questions dans la salle, le micro va circuler. J'ai l'habitude maintenant, ça fait quelques années, on a un micro sans fil. Poser des questions, on sera là pour y répondre. Le programme dans l'après-midi. Donc on est à la disposition. À travers la France. Tu vois. Et donc, il y a نو كوني انا سير قبايل نحمل سي بحيات من كينيح صارتي بحال في جالسن هذه تولوز خدم مع ثغدي و سي تو سا بابا سليمان نبوي ديجا كاين يا يعجبن سي مول نبوي هيدا انت مول في القبيله سبحيت نون انت ما خا من سليمان ما خا مي كثير انت مول عطيك الصحه عطيك الصحه ان يكون نحمل نبوي هيد ان كيني انا ثغدي 60 سنه ياك نروح انا مازال ثقبيلي ساعزيس تقول لنا فوالا دونك كيران مسالي صرومي كاس تقبايليت من نسن نمسالي تقبايليت هذا هو اللي كارز يعطيك الصحة يعطيك الصحة بريل اه 300 نوان دونك فوالا سمحت لي بليك مازال اهلي سكميت ولا غادا نهزو انا عندي لا بلاص سليمان عزم ثورا انا ثلا عندك انا ثلا الجاردان سليمان عزم il se trouve à côté du cloître de Moissac, juste dans l'enceinte abbatiale. On termine la visite. Il y a la stèle Slimane Azem, qu'on a inaugurée en fin octobre 2008. Il y avait 3 jours d'hommage à Slimane Azem en 2008 avec l'ancienne mairie. Et ce jardin-là, il est sacré. On va y aller tout à l'heure l'inaugurer. Donc il s'appelle le jardin Slimane Azem. Et donc chaque année, on finit après le cimetière. On a l'habitude de passer au jardin Slimane Azem pour faire la photo traditionnelle. Voilà. Là, t'es comme ça, Ham. Je vous remercie. Voilà. Merci de nous avoir. تنمرت ثم قرنت إبرينو تسمك هذا كما زال هي اللي سكملها توقف الفرق ذا عليك الدين أول أما الصداقة ماذا ود بس merci à ta merci merci beaucoup pour votre venue et cette commémoration avec grand plaisir merci de votre écoute
Je suis très heureuse de participer à cette commémoration. Je suis la deuxième génération après Tonton Slimane et je suis très heureuse de... Est-ce que vous connaissez la dimension justement de Slimane Azem? Parce que c'est une... dans la famille, c'est quelqu'un de modeste, de simple, mais de l'extérieur, c'est une légende. Oui, c'est une vraie légende. Je m'en rends compte au fur et à mesure. J'ai bientôt 42 ans. Donc j'avais 2 ans quand il est décédé. Et c'est vrai que mon grand-père me racontait, ma mère me racontait les histoires et, de famille. Et quand on rencontre des gens comme ce genre de commémoration, et c'est là où nous, la génération suivante, on se rend compte que c'était quelqu'un, c'était un grand monsieur. Un grand monsieur. Donc je suis très heureuse de participer et puis de poursuivre, de faire vivre sa mémoire. Voilà. C'était un grand artiste, nous sommes tous ses enfants. Voilà, merci. Et je pense qu'on peut dire une chose, c'est que toute son œuvre, elle appartient à tout le monde. Et ça, il faut vraiment en être conscient. C'est vrai que sur un point de vue familial, comme je vous l'ai dit précédemment sur d'autres émissions, plus jeune, je n'avais pas, compris cette dimension-là, parce qu'il y avait une certaine proximité dans la famille. C'était un oncle comme Dada Voujman, Dada Aline, Dada Mour. On avait de la proximité. Donc pour nous, on ne voyait pas l'icône. On voyait vraiment le tonton, tout simplement. Et il se comportait effectivement avec une très très grande simplicité et il ne manquait jamais d'humour. Ça, il faut vraiment le savoir. Il avait toujours le mot pour rire, pour rassurer. C'était vraiment quelque chose de formidable. Et c'est bien après sa disparition que j'ai pu comprendre la dimension de cet homme, alors, vis-à-vis de toute la nation kabyle. C'est là où c'est bien après. Mais on vous remercie tous pour votre présence et pour ceux qui ont une pensée pour lui aujourd'hui. Tout en étant chez eux, ils sont vraiment proche de nous aussi.